Bien sûr, essayez. Merci. Il faut lancer la boule au plus près du cochonnet. D'accord. Mais vous lancez trop fort, madame. Il faut y aller plus doucement. D'accord, je réessaye. Attends, je vais chercher. Tenez. Merci. Ne maîtrisez pas assez. Il y a des bases. Il faut s'entraîner. J'ai quelques explications dans mon sac. Suivez-moi. Tenez. Là, vous avez les différentes positions pour lancer. Et là, les techniques. Et je m'entraîne comment? Alors, soit vous venez vous entraîner avec moi dimanche prochain, ou sinon vous achetez des boules, tout simplement. Je serai là dimanche prochain. Eh bien, vous vous appelez comment? Addison Williams, et vous? Moi, Martin Smith. Je suis un professionnel de pétanque. Ah, vous êtes la personne qu'il me faut pour apprendre à jouer au pétanque. Oui, mais j'étais longtemps champion. Dis donc, vous avez un beau petit loup avec vous. Je peux le toucher? Oui, il est très gentil. Il s'appelle Zambla. Bonjour Zambla. Mais c'est un chien qui est capable de chasser. Oui, c'est un chasseur. C'est un champion. Ça vous dirait de me le vendre? Vendre? Jamais. C'est mon chien fidèle. Je sais. Je vous comprends. Mais où je pourrais trouver un exactement comme lui, qui est capable de chasser et qui est de la même couleur en plus? Je ne sais pas, mais si je vous le vends, ça serait très cher. Vendez-moi au prix que vous voulez. Vous avez un chien en or. Vous m'avez convaincu. Je vous le vends à 700 000 $, ça vous va?
Je trouverai ces 700 000 dollars. Je l'achèterai dimanche prochain, quand j'aurai de l'argent sur moi. D'accord. De toute façon, ça ne fait pas longtemps que j'ai eu ce chien. Bon, le temps est passé. Je dois rentrer chez moi. Moi aussi, j'y vais aussi. On se retrouve dimanche prochain. Lisez bien les leçons de béton. J'ai hâte d'acheter ce chien. Allez, salut. Au revoir, madame. Je vais acheter un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, monsieur Smith. Bonjour, madame Williams. Vous allez bien? En pleine forme. Et vous? Ça va. Vous avez apporté l'argent? Bien sûr. Je vous les donne tout de suite. Et le chien est à moi. Merci beaucoup, monsieur Smith. Quel beau chien. Vous êtes prêt pour la partie de pétanque? Oui. Commençons. Je vous dis mille fois merci pour ce chien. Mais de rien, monsieur Smith. Attachez-le ici. Il ne nous gênera pas. Commençons la partie. Oui, on va enfin commencer. Une boule à vous. Merci. Et une boule à moi. Pour commencer, il faut lancer le cochonnet à une distance adaptée. Comme ça. Donc la petite bille blanche s'appelle le cochonnet. Voilà, il faut lancer le plus proche de celui-ci. D'accord. Donc, vous pouvez commencer. Merci. Pas mal, à mon tour. Là, c'est vous qui gagnez. Parce que vous avez lancé la boule le plus proche du cochonnet. Et moi, j'ai perdu parce que... Vous allez bien, monsieur? J'ai du mal à respirer. Vous voulez un peu d'eau? Oui, dépêchez-vous. Vous voulez un peu d'eau? Oui. Ne vous inquiétez pas, il y aura de l'eau au paradis. Thank you.
certain. J'allais voir M. Smith, j'ai croisé une femme qui venait de cette direction, qui m'a TV là. Et quand j'ai arrivé, M. Smith était déjà mort. D'accord, merci monsieur. S'il y a un problème, on vous appellera. D'accord. Au revoir. Au revoir. Non, interdiction d'entrer. Il y a un meurtre ici. Mais vous pouvez quand même dire bonjour. Lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Mais je ne sais pas où j'ai mis ma carte. Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Ah bon, le lieutenant, des excuses. Vous pouvez entrer. Merci. Voici la fiche du témoin. Merci. Bonjour docteur, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour lieutenant. Ben, il est mort environ une heure. D'après moi, une crise cardiaque ou d'un étouffement. Il a la gorge gonflée. On ne sait pas encore. Lieutenant, nous n'avons rien trouvé à part quelques empreintes et des poils de chien. Au revoir, lieutenant. Continuez à chercher. Au revoir, lieutenant. Au revoir. Vous avez des gants, s'il vous plaît? Cet homme n'est pas mort d'une simple crise cardiaque. Regardez, il n'a pas fumé la cigarette. Il n'a pas fumé la cigarette. D'accord, donc l'assassin a dû changer la cigarette. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Comment ça, il n'a pas fumé? Attendez. Regardez la différence. Vous voyez la différence? Celui-là a été fumé et l'autre non. Parce qu'il n'y a pas de trace de nicotine. Celui-là, il a la trace de nicotine. Donc ça veut dire que celui-là n'a pas été fumé. Attendez. Regardez. Une deuxième cigarette sans trace de nicotine. Celui-là, c'est pareil. Celui-là a été trouvé dans la main de la victime. Vous pouvez examiner ça et vous pouvez amener le corps. Monsieur Brandon Miller, 740 Sentier Poivre. Vous venez avec moi? Je vais aller voir M. Brandon Miller. Ok, allons-y, viens voir. Vous avez mis ce quoi, du sein d'un sac plastique? C'est fait. Très bien, allons-y. D'accord, merci monsieur pour ces informations. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, on vient de retrouver un homme mort ce matin. La police de Los Angeles est venue pour enquêter. L'enquête est ouverte. Passons à la météo dans l'ouest de l'Amérique. Il y a du soleil, mais dans l'est, pas.
Lieutenant? Hein? Ah, monsieur Miller? Y'a quelqu'un? Entrez! Bonjour. Bonjour. Je m'appelle le lieutenant Colombo de la pancarte criminelle. Vous êtes bien monsieur Miller? Oui, c'est bien moi. Je voudrais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Je vous écoute. Parce que je vois que vous êtes en train de préparer à manger. Oui, je vous écoute là. Eh bien, vous connaissez monsieur Martin Smith, c'est bien ça? Oui. On était des vieux compères. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Quand je l'ai vu pour la dernière fois, c'était il y a 2 semaines. D'accord, vous avez dit que vous avez croisé une femme tout à l'heure. Oui, j'ai croisé une femme qui venait de la direction du meurtre. Monsieur Miller, pouvez-vous nous la décrire, cette femme? Eh bien, c'était une femme plutôt chic qui se promenait avec un chien blanc. Elle était plutôt comment? Souriante? Triste? Non. Elle était plutôt pressée et un peu nerveuse. Pouvez-vous nous aider à dessiner un portrait robot de cette femme? Ok, pas de problème. Alors, quelle est la forme de son visage? Elle avait un visage plutôt rond. Vous jouez de la batterie? Oui, j'adore la batterie. Mais j'aurais jamais la place pour installer une batterie chez moi. Je ne sais même pas jouer. La couleur de la peau, marron. Elle avait des cheveux noirs bouclés, avec une coiffure à l'ancienne, un chignon au bas. Un chignon au bas? Ma femme aussi faisait cette coupe de cheveux, moi. Et elle avait des sourcils comment, vous vous rappelez? Des sourcils arqués, épais. Elle avait des yeux de forme amande, mais avec un nez pas trop gros, mais droit. Rappelez-vous si elle avait un signe sur son visage? Non, je ne me rappelle plus. C'est elle? Elle ressemble à ça? Oui, c'est elle. Elle ressemble parfaitement. Merci beaucoup, monsieur Miller. Je repasserai vous voir très bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, j'oubliais. Excusez-moi de ma curiosité. Vous préparez quoi ce midi? Une salade et des tomates. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Miller. Bon appétit à vous. Au revoir. Allô? Oui? Oui, d'accord, merci. Lieutenant, les empreintes retrouvées sur le paquet de cigarettes appartiennent à madame Addison Williams. Il y a une fiche à votre bureau, il faut que vous y allez voir. Eh bien, vous rejoignez le docteur et vous me rapporteriez les rapports d'autopsie. Très bien, gardez ça avec vous. Merci. Hein? Madame Addison Williams. C'est bizarre. Ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Bonjour. Bon. Excusez-moi. Vous avez un petit machin pour téléphoner. Vous voulez un portable? Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Merci.
Bonjour. Bonjour, lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je suis passé chez vous, mais vous n'étiez pas là. Je ne suis pas là ce matin, repassez dans l'après-midi. Mais pourquoi vous? Pourquoi la police? Madame, il y a un meurtre, nous devons vous interroger. Un meurtre? Vous savez, moi aussi, moi j'aime le café. Je prépare un pour ma femme tous les matins. Mais moi, j'ai même pas le temps de boire. Parfois, je croise mon petit beau-frère sur la route et il me donne un café et ensuite, je continue la route. Vous êtes venu spécialement pour quoi? Eh bien, il y a un meurtre, madame. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, sûrement pas. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu quelque part? Non, je ne le connais pas. Un témoin vous a vu partir du lieu du crime. D'accord, mais votre cravate est un peu sombre. Elle manque de couleur. Vous n'auriez pas une cravate avec des motifs? Non, c'est ma femme qui m'achète des cravates. Vous savez, moi j'ai plusieurs couleurs. J'ai le rouge, le bleu, le marron, etc. Je vais en chercher une, je reviens. Merci, je vous attends. Bonjour petit chouchou. Ça va? Est-ce que je peux prendre quelques petits pois, s'il te plaît? Non. Merci beaucoup. Hein? Merci. Je dois faire vite, hein. Merci. Regardez, ça vous va mieux, non? Oui, elle va mieux. Enlevez-moi cette vieille cravate. Oui. Oui, ça me va vraiment bien. En train de me dire? Eh bien, un témoin vous a vu partir du lieu du crime. Oui, je me promenais, c'est tout. Et pourtant, vous venez de la direction du meurtre. Vous n'avez rien vu de spécial? Non, je n'ai rien vu de spécial. Je l'ai vu juste en train de jouer à la pétanque. Mais il est magnifique. Ma femme me donne un stylo presque tous les jours. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'en fais avec. Je demanderai à ma femme de m'en acheter un stylo pareil. J'étais en train de promener mon chien et je n'ai rien demandé à cet homme. Allô? Bonjour. Ah, c'est pour vous, lieutenant. Ici Colombo. Ouais. Et là, avec le tweet. Excusez-moi. Je leur ai dit que j'étais chez vous. J'ai donné votre numéro. Je dois finir un travail. Je dois vous laisser, madame Williams. À bientôt. Ok, au revoir. Au revoir.
semblez perturbé, lieutenant. Oui, il y a un truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit que vous ne connaissez pas cet homme, mais vous l'avez pourtant vu jouer de la pétanque. C'est étrange. Oui, je l'ai vu, mais je ne le connais pas. Il faut être précis, madame. Vous le connaissez, vous l'avez vu, c'est différent. Oui, je vous accompagne maintenant. Yes. À très bientôt, madame Williams. Au revoir. Au revoir. Alors, lieutenant, quoi de neuf? Examinez-moi ça plus vite. D'accord. Cet homme est bel et bien mort, empoisonné. On a le rapport d'autopsie. Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? J'aime ma femme. Donc, je mets la cravate qu'elle m'a offerte. Ben, ça... Je vous expliquerai ça plus tard. D'accord, je vais au laboratoire examiner ça. Moi, j'ai un petit travail à terminer. Ensuite, je vais aller voir M. Miller. Bonjour Colombo. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour Monsieur Miller. On m'a dit que vous étiez sur le pont, donc je suis venu vous voir. Elle était bonne pour votre salade? Je suppose que c'était encore pour m'interroger. Non, je n'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment. Mes excuses quand même, je vous comprends. Oui, je voudrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. D'accord, mais faites vite. J'ai des invités qui m'attendent. Très bien, je voudrais savoir si vous connaissez quelque chose avant sa mort aussi. Je veux dire, si il vous a appelé, vous avez eu une conversation avec lui. Eh bien, il m'a dit qu'il va acheter... Non, il voulait garder son secret. Monsieur Miller, écoutez-moi. Si vous connaissez quelque chose, il est préférable de le dire maintenant. Sinon, vous serez obligé de le dire au tribunal. Comment ça? Pourquoi au tribunal? Je ne vous menace pas, monsieur. Je vais tout simplement vous convaincre. J'ai besoin de savoir ce que vous saviez sur lui. Eh bien, il voulait acheter un chien avec une femme, un chien blanc. Mais je ne connais pas cette femme. Vous lui avez sûrement demandé le prix de ce chien. Non, je ne lui ai pas demandé le prix. Il m'a dit qu'il va faire une partie de pétanque et il achètera un chien avec une femme ce jour-là. Quand il vous a dit ça, c'était où? Chez vous? Au téléphone? Au téléphone. Mais qui l'a tué? Quand il était mort, il n'avait pas le chien avec lui. Est-ce que c'est la femme que j'ai vue avec son chien blanc qui l'a tué? Oui, moi aussi je me pose la question. Je vous dirai ça plus tard, M. Miller. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je ne pense pas pouvoir encore dormir ce soir. Je suis désolé, M. Miller. Thank you.
Monsieur Colombo, vous ne m'avez pas prévenu. Bonjour, Madame Williams. Je pense que c'est la dernière fois que je viens vous voir. J'espère aussi. Entrez, Monsieur Colombo. J'avoue que vous avez un chien très intelligent. Comment il s'appelle? Oui, c'est un bon gardien. Il s'appelle Zambla. Ah, non. J'ai oublié de demander à ma femme de m'acheter le stylo-plume. Non. Lieutenant, vous êtes ici pour quel objectif? Eh bien, le témoin, qui est un vieil ami de M. Smith, dit qu'il allait acheter un chien avec une femme qu'il a rencontrée quand il était en train de jouer de la pétanque. Oui, et alors vous croyez que c'est moi? Mais je n'ai rien dit, madame. Comment ça se fait que M. Smith est mort sans avoir rencontré cette femme? Si cette femme n'était pas venue ce jour-là, pourquoi y a-t-il des poils de chien sur le vêtement de M. Smith? Ils ont été peut-être emportés par le vent. Madame, nous avons retrouvé des poils provenant de votre chien. Ah bon? J'ai dû passer près de ce kiosque quelques jours avant et mon chien a laissé des poils. Les poils de chien retrouvés sur le vêtement de M. Smith sont bien fixés pour avoir été emportés par le vent. Et alors, ça ne veut rien dire? Nous avons aussi relevé vos empreintes sur le paquet de cigarettes de M. Smith. C'est une blague, j'espère. C'est magique si vous avez retrouvé mes empreintes sur le paquet de cigarettes. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit de quoi est mort M. Smith. Eh bien, il n'est pas mort d'une simple crise cardiaque. Il est mort empoisonné par une cigarette. Et qui a empoisonné la cigarette? Non, Madame Williams, n'allons pas trop vite. J'arrive. L'assassin a empoisonné des cigarettes dans le paquet identique à celui que M. Smith fumait. Puis M. Smith allume une cigarette empoisonnée et s'étouffe. Et l'assassin enlève le mégot dans la main de M. Smith et remplace ça par une autre qui l'a raccourci. D'accord, mais vous avez au moins la preuve que l'assassin a remplacé la cigarette qui l'a raccourci. Oui, parce qu'il n'y a pas de trace de nicotine. Quand quelqu'un fume une cigarette, le filtre devient de couleur marron. Je vous montre. Vous voyez la différence? Oui. Celui-là a été fumé et l'autre non. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais M. Smith m'avait demandé de lui passer le paquet de cigarettes et donc j'ai touché. D'accord. Mais vous avez aussi touché la cigarette. Non. M. Smith a pris la cigarette et il a fumé. Madame Williams, nous avons retrouvé vos empreintes sur la cigarette remplacée. Je vous parle de la cigarette remplacée. Je suppose déjà que vous m'accusez d'avoir tué M. Smith. Attendez. Si M. Smith a fumé la cigarette, pourquoi il n'y a pas de trace de nicotine? Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de trace de nicotine. Où voulez-vous en venir? Madame Williams, une preuve. Une preuve qui prouve que vous avez été avec M. Smith. Nous avons retrouvé vos empreintes sur la boule de pétanque. Nous avons examiné. Et la deuxième preuve. Cette facture. Cette facture que j'ai récupéré sur votre bureau prouve que vous avez acheté ce poison quelques jours avant sa mort. Maintenant, Madame Williams, je vous... de la voiture, s'il vous plaît. Maintenant, Madame Williams, j'aimerais entendre vos explications.
Je ne voulais pas vendre mon chien, mais avoir les 700 000 $. Donc, j'ai acheté un paquet de cigarettes et j'ai brûlé quelques-unes pour les raccourcir. Et pour tenter le coup, j'ai empoisonné. Nous allons remettre 700 à la banque. Messieurs, vous pouvez l'emmener. Allons-y, madame. Madame Williams, vous oubliez votre cravate.